Allez, B. Capitaine Watanabe. J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça? Et quand? J'en sais rien. Et il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Bon! OMG! Je viens aux nouvelles. Hé, Peter, est-ce que je peux te rappeler? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes? C'est juste que... je suis un peu occupé là. On fait le point autour d'un dîner. Oh! Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout. Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner. Ouais, à plus. Allez. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Bon, bon bah, attends, j'ai pas une quête annexe là? Ouais, j'en ai. Parce que je les ai toujours pas faites en fait. J'en ai même deux, hein. Ouais, j'en ai deux. Vas-y, je vais faire les quêtes annexes. De toute façon, là, j'ai que ça à faire, hein, pour l'instant. Oh, bonjour, docteur. Comment ça va? Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. Ouais, bah, t'attendras quand même. T'attendras quand même, hein. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. Ce que nous, on fait attendre au tour. Oh! Ok, nouvel appel manqué de bloc. Je voulais m'assurer que tu étais toujours... Ah, mais... Ok, là je me la pète. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Démon, va être sentinelle de sable. Howard! Oh, c'est les pigeons! Comment va Pidgey? Il est pas en forme. Ses cousins lui mentent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'est retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Oh, les pigeons! Vous feriez ça? Oh, merci. Si vous en croisez un, ouais, bah, vous ça va être bientôt le tour des quêtes annexes. Je ferai ça peut-être plus tard. Ouais, je ferai ça plus tard. Ah non, je vais le faire maintenant en fait. Bon, bop, bah, c'est parti pour chercher les pigeons. Allez, go! Attends, je peux pas accéder à l'autre quête annexe? Bah non, en fait. Ah si! Ouais, bah attends, on fera l'autre plus tard, du coup. On fera l'autre plus tard. Hein. Allez, non. Là. Et, voyage rapide!
Allez, go. Ouais, il y aura pas mal de quêtes annexes. Hein. Je suis venu. Ah là, c'est une vraie quête annexe par contre. De ce que le défi... Oh non, Screwball! C'est ça qui est bon! Prenez une photo du code QR sur le mur et ça démarre! Simplissime! C'est pour les démunis! Bon, pourquoi pas? Screwball! C'est bon. SM, tu as accepté le défi! Bienvenue sur ma chaîne! Grâce à ta participation, le nombre de vues est en train d'exploser. Voilà comment ça marche. Le code QR que tu as pris en photo t'envoie les coordonnées GPS d'un autre code dans les environs. Bon, j'ai l'impression que ça risque de s'éterniser. Désolé, hein, mais des gens ont besoin de moi. Justement, en parlant de ça, celle-là est pour une bonne cause. Une en particulier. Le tout dernier code te révélera l'emplacement. Tiens-toi bien. Une personne kidnappée. Hein? Eh oui! Ça pimente un peu les choses. N'est-elle pas parfaite? Piégée, en danger. Va-t-elle mourir de faim? Étouffée? Pas de temps à perdre. Internet te regarde. Tada! Ça part en vrille. Connasse! Mais je dois jouer le jeu. Ah là là, les influenceuses là! Les influenceurs de nos jours! Alors. Putain, j'avais complètement oublié que c'était maintenant, quoi. Voilà le code à flasher. Merde, je vois pas. Ça commence à se compliquer. Alors. Ah, il est là. Ça, allez, les codes. Allô? Oh, relou! Mais je l'ai, là! Oh! Mais comment ça? Je l'ai pas! Bon. Merci! Oh, tiens! Salut à tous mes fans, dont certains arrivent tout juste et rejoignent Spidey en... Ah ouais! Est-ce que tout le monde est devenu dingue? Bad guy. Tes vidéos m'ont aidé à tenir quand j'étais en tôle. Bad guy. D'accord, et ensuite. Vous auriez dû vous en tenir au défi débile d'internet. Je suis désolée, Spidey. J'y peux rien si mes fans s'impliquent personnellement. Ils sont à fond. Hashtag passion. Hashtag passion. Tu veux vraiment dire hashtag? C'est presque aussi criminel que le kidnapping. Placer le code devrait t'envoyer les coordonnées GPS du prochain lieu. Dépêche-toi, notre ami est seul et... Oh, c'est triste. Ouais, ouais. Oh, qu'est-ce que je déteste Screwball en vrai. Je tombe là. Voilà le code. Et il est en deux parties. Bon, ça va demander un peu de finesse. Ok. Ah,
Alors... C'est là en fait, non? Faut que je sois un peu plus bas là? Ouais mais non, là je suis trop haut. Et là je suis trop près. Ok, ah attends, peut-être le... Peut-être le prendre d'ici en fait. Ok. Aucun sujet. Ah! C'est bon! Ça n'a rien d'officiel, mais on m'a dit que certains de mes fans ont décidé de te faire un petit cadeau. Je crois qu'ils ont envie que tu t'éclates. Tu ferais mieux de vite les ramasser, quelqu'un pourrait te blesser. What? Oh là 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 là! Allez, dégage! Forcément, forcément. L'adresse est pas loin d'ici. Il faut que je me dépêche. Merci. Aïe, 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 screwball, quoi. Aïe, hop. Les caméras partout. Vous m'entendez? Bougez pas, je vais enfoncer la porte. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Spider-Man, merci mille fois. Pour les millions de clics que j'ai reçus. Putain de merde. Incroyable, non? Si tu voyais la tête de ton... espèce de paire de lunettes chelou. Oh tiens! Encore des fans à moi. Trouble ! Mets ça sur ta tête ! Officiellement, je cautionne pas ce genre de choses. Alors dis-leur d'arrêter ! Ouais, foutez le camp, vous ! Oh ! Allez, calmez-vous, là. Ça va être compliqué de faire tenir les charges. Hey, j'ai beau être un héros araignée, j'accroche pas du tout à la toile. Et toi? Ah bah, elle a cherché. Hein. Alors, vas-y, on va aller voir Otto un peu là. On va aller voir Otto. Putain, il est loin! Oh
Ah, il est tellement loin. Ah oui, même Spider-Man utilise son téléphone, hein. Et oui, les super-héros peuvent avoir... Ah, ça fait longtemps. Aujourd'hui est un jour de deuil. On se recueille et on rend hommage aux héros disparus comme Jefferson Davis. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'il faut clamer « Plus jamais ça ». Ça s'arrête maintenant. Certains affirment que je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engeance font la promotion. Ceci est notre ville. Et maintenant, nous allons la reprendre. Ouais. Alors, allez, go, go, go. Hey Ward, je crois que j'ai trouvé un des cousins de PJ. Il a des taches grises. Et je crois qu'il vient de tacher ma tenue. Clarence, un vrai petit loustique, doublé d'un charmeur. Tapotez-lui la tête et orientez-le vers le fist. Il trouvera le chemin. Pas de problème. Je ferai pareil pour les autres si je les vois. Ok. Attends, mais merde, j'y vais en mode rien à foutre, là. Ah, le retour. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Ouais. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau, ouais. Mais est-ce qu'il y a toujours... Peter, on s'est concentré sur le remplacement des membres, la reconnexion des nerfs aux extrémités sectionnées, la reproduction des fonctions de la partie perdue. Et si on donnait plutôt aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? Quelque chose qui vient de l'esprit? Si on se détachait tous du corps dans lequel on est né et qu'on libérait la puissance incroyable de notre esprit? Wow, wow, wow. Faut se calmer, Doc. Oh, mais y'a pas de truc à faire, là. Allez, go. Encore plein de trucs à faire. Sur la biocompatibilité du nanotube de carbone. Non. Ça m'a l'air bien là. Ouais. Ça m'a l'air bien. C'est adapté à un contact d'ermite direct. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Ok. Du graphène. Mais avec une structure particulière. Putain. Qu'est-ce que c'est? Non. Ça peut-être, ouais. Non. Ouais. Non, 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 non. C'est ça? Ouais! Oh, énorme! C'est un nano-treillis. Oh, c'est costaud! Yep! Ça ferait un super élément structurel pour une prothèse. Oh, suis la suite!
Doc fait des essais sur des supraconducteurs. Eh ben. Voyons. On suit là. Ah si, on peut le mettre là, ouais. Mais non, en fait. Non. Ça m'a l'air ça, mais... Mais non, en fait. Bon, essayons ça. Oh putain, lui, c'est quoi? Oh, il a l'air compliqué, lui. Toujours pas. Ah ! Ok, lui c'est bon. Ok, lui ça a l'air d'être bon. Oh putain, oh, il était dur celui-là. Il était vraiment dur, hein. Cool. Une céramique composite. C'est un supraconducteur de type 2 idéal. Ok. Bon, il y a un risque de chauffe, mais mon contrôleur externe, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ah, il reste celui-là. Une sorte de polymère. Oh putain, ils sont de plus en plus durs là, les trucs. Ils sont vraiment de plus en plus durs. Non, c'est pas ça que je voulais. Tac. Ouais, bah celui-là il match. Voilà. Tac. Non. Celui-là il match et celui-là il va match. Yes! Salut Darmaniac! Je suis désolé, je t'avais pas vu, comment va? C'est génial! Un polymère auto-réparant? Ce truc pourrait survivre à n'importe quoi! Ok, et les autres c'est verrouillé. Très bien! Mais où est-ce que Octavius il a eu tout ça? Ça va, tranquille. Attends, il y a d'autres trucs là normalement. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Oh. Mais cette fois, ce sera différent. Ce sera si différent que ça? Mais attends, il y a des trucs avec des composants là normalement, non? Ce que ça, ok. Mais ensuite. C'est triste à dire, mais l'attaque de l'hôtel de ville a peut-être été bénéfique dans un sens. La cote de popularité de Norman plonge. Les gens commencent à comprendre que leur mère bien-aimée ne pense qu'à lui. Parfois, il faut une tragédie pour que les gens ouvrent les yeux et réalisent qu'ils ont élu un monstre. Ça m'embête que le doc fasse une fixation sur Norman. Ouais. Oh. Intéressant comme méthode de renforcement structurel. Ouais, c'est un peu... Ouais, il ressemble pas mal à Hollande. J'ai de la
la chance que le doc m'ait laissé déposer des affaires ici après mon expulsion. Oh, Peter, j'ai remarqué que tu surveillais les ennemis de Spider-Man. Plutôt futé. On pourra plus facilement mettre au point des contre-mesures. Ouais. Putain, mais il manque un truc, là. Peut-être moi. Bon, on verra. Vous n'avez pas chômé. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu quand on peut leur donner plus? Ok. Leur donner carrément. Je pense que ça devrait être bon. Eh ben voyons. Tu es prêt? Il y a un problème? Bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oses. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. C'est ça, Darmaniac. Pense à faire un diagnostic de l'unité... Ouais. Eh oui, ça a été ma semaine. Hein. Peut-être un courjus. Alors, voyons. Ouais. Il est pas très... Pas top. Je dois dévier ce circuit. Il est pas top. Qu'est-ce que je peux virer? Ah! Alors attends, j'ai l'impression que je peux... Bon, essayons. Attends. Non, marche pas. Tac, ouais. Non. C'est ça qu'il faut, ça qu'il faut. Ça qu'il faudrait, ouais. J'ai quoi, du 3, 4 et 5? Ah! Attends. Voilà! Oh! Si tu prenais les commandes cette fois.
crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton retour. Yes. L'interface neurale serait une avancée majeure, Doc. Majeure, oui, mais essentielle. Si l'utilisation de notre prothèse n'est pas totalement intuitive, on aura échoué. On y arrivera, Peter, il le faut. Ah là là, bon. Il me semblait qu'il y avait encore des trucs là à faire, non ? Ah, j'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le Doc pense au ravitaillement. Par contre, j'aimerais bien qu'il achète... Qu'est-ce que c'est ? Oh ? Qu'est-ce que c'est que ça, Doc ? On dirait un blindage ? Des prototypes de protection. Ah, c'est fascinant. AIM a demandé des échantillons de mon travail. Je ne peux quand même pas les priver de mon génie. Je plaisante, bien sûr. Ah, mais c'est là ! Doc travaille sur une sorte de système d'injection hypodermique. Peut-être pour contrer les rejets d'implants. Ouais. C'est plutôt gros comme aiguille. C'est très gros comme aiguille. Ah non, mais ça je l'ai fait. Attendez, est-ce que c'est le raft ? Vous travaillez pour la prison Supermax ? Oui. Ils ont lancé un appel d'offres pour moderniser leur réseau de sécurité et je crois que je vais tenter. C'est un contrat lucratif et passionnant du point de vue scientifique. C'est incroyable, putain, incroyable quoi. Bon allez, il est temps de s'en aller. Mais ouais, Octavius, hein, c'est lui, hein, clairement. Donc, mais pour l'instant, il les a pas encore. Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Bon allez. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. C'est pas mal comment je pourrais me foirer. Bon. Je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. C'est juste que c'est pas gentil d'être méchant. Ouais. Bon, je vais faire une petite catanex et je pense que je vais arrêter là ensuite. Là, ça fera 2 heures de stream environ. On va faire ça tranquille, en vrai. Et ensuite, il y aura... Et ensuite, il y aura une autre session quête annexe, du coup. Ah, rien de tel qu'une bonne course poursuite en ville pour passer le dimanche. Non, non. Voilà. Franchement, les gars, pas de clignotant. Ah, je dois vous coller un PV. Terminus. Ah ouais, c'est une bombe. Ouais, désolé, hein, j'ai pas fait un gros lay. J'avoue, j'étais pas trop dans un mood hier, je sais même pas pourquoi, en fait. Les démons ont dû déclencher une bombe. Il faut la désamorcer. Merde. Eh, hey, ces démons ont sûrement une assurance tout risque de fou furieux. Ok.
Voilà un pigeon. Ah, faut que je le rattrape. Allez, viens ici, le pigeon. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Ou mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai l'air claqué. À moins que les citoyens... Oh, c'est pas grave. Poussez-moi, fasse suffisamment de vacarme. Manifestez-vous. Reprenez votre ville. C'est notre seule et unique garantie de justice. En plus d'écouter mon émission tous les jours. C'est pas grave, hein, ça arrive. Quoi? Poste de contrôle Charlie pris pour cible par les démons. Ouais, j'ai vu des pigeons par là. Désolé, c'est pas encore le moment. Oh! Ouais, le jeu est cool, faudrait que j'y rejoue. Hop. Arrive dans pas longtemps, on va en prendre plein la vue. Allez, pas me chercher. Oh, j'aurais dû filmer ça. C'est bon, je peux être tranquille maintenant. Crime malfrat, crime démon, ouais. Putain, va falloir faire tout ça aussi là. Moins vénère que Megaman, je sais pas. Après, c'est du roguelike, hein, le Shovel Knight Dig, hein, donc c'est. C'est un peu dans la même veine que Binding of Isaac et tout. Les dodo. Oh bah. Ouais, j'ai vu des pigeons par là. Je voudrais pas que ceux qui sont à l'intérieur se sentent. Bon, allez. On va faire ça et on va stop du coup. Et ensuite, ce sera un petit stream quête annexe, je sais pas quand. Après, je pense qu'on... Oh. Je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons. Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. Bon, allez, infiltration, là. Hop. Coucou, Spanier. Bon, allez, les snipers, là, vous dégagez. Il a pas de venir, celle-là. Merde! Dégage. J'espère que vous êtes au taquet, parce que vos copains là, grosse déception. Ah putain. Qui font venir leurs petits copains dans des conteneurs. Maintenant qu'on retrouve chez nous des criminels chevronnés étrangers. Vous avez l'air fâché. Moi j'avoue, j'ai épuisé toutes mes bonnes vannes sur les autres. Mais ça me dérange pas de répéter. Ça s'arrête plus. C'est comme quand un groupe fait son quatrième rappel et que toi t'as juste envie de rentrer. C'est bon, calmez-vous là.
Eh mais vous êtes beaucoup ici en fait là. Approchez les amis, tournez de toi le dernier, c'est moi qui régale. Voilà, oh il a été bien électrifié là. Oh putain, alors toi le bazooka là. Allez, dégage. Tac. Fini. Ah, c'est fini. MJ, tu peux appeler la police. Les démons sont neutralisés. N'oublie pas de me ramener un petit souvenir. Allez, salut. Voilà. Ok, bah on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Ça fait un petit stream sympa. Petit stream de 2 heures là. Ok, on a très bien avancé dans l'histoire en vrai. Hein. Et je pense que la prochaine, ce sera des quêtes annexes. Parce qu'il y en a encore des quêtes annexes. Voilà. Oh putain, ça donne des jetons de recherche en plus. Ouais, bah on fera ça. La tenue furtive. Et la speeder armure MK3 là. ouais, demain je stream soit le matin, soit l'après-midi. Normalement l'après-midi. Mais ce sera du Yu-Gi-Oh! Hein, du coup. Et dimanche, comme d'hab, ce sera le petit rituel Zelda Twilight Princess. Et je pense qu'à partir de la semaine pro, je pourrais faire un petit peu moins de stream, du coup. Je me souviens plus du prog. Demain, il y aura du Yu-Gi-Oh! Et dimanche, ce sera Twilight Princess. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les dimanches, c'est Twilight Princess. C'est surtout ça. Après, le reste, ça peut varier. Bon allez, moi du coup, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi, passez une bonne journée. Et à la prochaine. Voilà, attends. Quand même. Là, voilà, comme ça. Allez, salut.